Salut à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures dans le mode My Player de NBA 2K16 avec notre meneur du côté des Knicks. On est en playoff au premier tour qualifié in extremis à la 8ème place à l'Est après une dernière partie de saison relativement folle. On avait gagné le match 1, souvenez-vous. J'ai simulé le match 2, on s'est fait exploser par Cleveland. Égalité donc, une victoire partout. Vous allez me dire, mais on ne peut pas simuler. Dans les playoffs, on est obligé de jouer tous les matchs. Alors, il y a une petite astuce, hein, c'est vous lancez le match, pardon, et puis vous quittez dès le début en faisant simuler jusqu'à la fin. Et comme ça, vous avez une rencontre qui peut être simulée. Ça vous évite d'avoir à tout jouer. Notre avatar maintenant, eh bien, il a bien grandi dans cette ligue, dans cette NBA. Ça reste un meneur avec de belles qualités athlétiques, un défenseur qui est plutôt un slasher, donc un joueur qui va aller finir près du cercle, un petit peu à la Tony Parker dans son début de carrière. Et puis on commence maintenant à monter lentement mais sûrement le tir extérieur pour pouvoir sanctionner évidemment sur du tir à mi-distance, sur des renversements ou sur du 3 points. Je vous propose qu'on attaque le match 3, retour au Garden du coup, une victoire partout. Et évidemment, Cleveland est ultra favori dans cette série, mais on a vu dans le match 1 que ces Knicks, eh bien, ils sont en capacité de faire tomber cette équipe des Cavs. Ça va être passionnant à suivre, il va falloir être très, très, très concentré. Eh bien, je ne vous cache pas que je n'ai pas joué depuis la dernière fois qu'on avait fait une vidéo ensemble sur ce mode My Player, donc je vais essayer d'être affûté. Le choc des ailiers, Carmelo Anthony face à LeBron James. Vous voyez qu'on n'a pas été brillant en playoff. On a pris un bouillon, hein. On a pris un bouillon 128 à 77, je crois, dans le match 2. This game is obviously not technically a must-win for either team, but it will certainly be a pivotal game. Chaque mail qui nous explique que ce match 3, ça peut être un match pivot, même si ça n'est pas un match décisif, ça peut être un match pivot dans cette série. Évidemment, côté Knicks, on aimerait être à 2-1 à l'issue de cette rencontre. Une fois n'est pas coutume, je vous dis ça à chaque fois maintenant, mais une fois n'est pas coutume sur ce MyPlayer, on va commenter en même temps qu'on joue. Avec Josh Smith qui a pris la place de Porzingis dans le 5 de départ. Porzingis qui est out pour tous les playoffs pour rupture du tendon d'Achille, donc une blessure très très grave. On va essayer de compenser son absence, même si dans le jeu on a lancé ce My Player en tout début d'année, donc dans le jeu il n'était pas encore ultra ultra fort. Concentration maximale. Et maintenant, on déroule. Tout le Garden est en orange pour supporter ces Knicks. Et nous, on a du boulot parce qu'il va falloir tenir Kyrie Irving qui est un mutant dans le jeu. Un mutant du 1 contre 1 et alley-oop pour Carmelo Anthony. Et bien voilà, un stop, une contre-attaque. Voilà exactement le genre de panier qu'on veut aller trouver. On est en difficulté All-Star Sliders, réglage, simulation en 4 fois 12 minutes. Un temps de jeu réglementaire NBA. Alors là, par contre, voilà. C'est là où, côté Knicks, il faut qu'on communique. Parce que, est-ce qu'on change sur les écrans? Alors ça fait partie des choses que je vous ai déjà répétées des centaines de fois dans le mode My Player qui doivent être améliorées. C'est qu'on n'a aucune consigne défensive. Dans la volonté de scénariser ce mode, ils ont rajouté certaines choses, mais d'autres fondamentales à mes yeux ont été oubliées. Et c'est notamment les choix tactiques défensifs. On n'est pas au courant de ce qu'on doit faire, donc on doit systématiquement improviser en fonction des réactions de l'IA. Et là, notamment sur les écrans, quelle est la consigne? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on passe devant? Est-ce qu'on passe en dessous? Est-ce qu'on fait ice? Ça, c'est dommage. Ça nuit à l'intérêt de ce mode dès lors que vous voulez jouer dans un esprit simulation. Et faire autre chose que du playground des 1 contre 1 et des dunks. Ballon perdu d'Anthony, non. Voilà. Voilà, j'allais dire, c'est ce genre de 3 points-là qu'on a besoin de marquer maintenant. On doit avoir 70 en notation à 3 points. C'est pas encore folichon, mais ça doit être des 3 points qu'on doit être en capacité de marquer.
Smith qui aura été très 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 affûté sur ses débuts de playoffs. Oh, le joli petit up and under, mais c'est manqué. Million dollar move, 10 cent finish. Mouvement à 1 million de dollars, mais la finition à 10 centimes. Love bien fait. Alors, c'était intéressant. Je voulais vous proposer aussi cette série My Player en pleine finale NBA où justement les Cavs sont en difficulté. Ça aurait été l'occasion de voir ces caves dans le contexte NBA 2K. Ouh, j'ai fait un petit écran mobile, ni vu ni connu. Et ballon perdu, attention. On peut pas perdre autant de ballons comme ça face aux Cavs. Il faut qu'on fasse le match parfait. Quand vous êtes les underdogs, les challengers qu'on vous attend pas dans une série de playoffs, il faut sortir les matchs parfaits. Surtout face à la meilleure équipe du jeu, hein, sur cette partie, les Cavs, vous l'avez vu, ils sont tout simplement premiers dans toutes les catégories. Premier en attaque, premier en défense. Et Love, évidemment, il s'éclate face à Josh Smith. On va provoquer une faute au buzzer, elle est la bienvenue. On va essayer d'être agressif nous aussi parce que être dans l'observation c'est bien, mais être dans l'action c'est mieux. Et 1 sur 2 au lancer. Où est l'aide? Où est l'aide à l'opposé? Josh Smith, invisible. Défensivement, moi que je suis inquiet, à l'attaque, on en trouvera toujours. Oh là là, il est trop fort ce Irving. Dès lors qu'on arrive à accélérer, trouver un petit peu de transition, on n'est pas mauvais. Côté. Oh là, c'est trop tôt. Timing très mauvais. J'ai encore dans la tête le timing des Steph Curry et Klay Thompson du dernier Gaming Live où ils ont des timings de déclenchement de tir ultra rapides. Là, notre Blight National, lui, c'est plus un papy du déclenchement. Et on va faire la deuxième sur un ring. Ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt bien. Ça sera toujours plus facile d'avoir à défendre De La Vedova qu'avoir à défendre Irving. C'est compliqué, cette passe. Miraculeusement, elle arrive à destination. Il faut qu'on reste dans une guerre de tranchées de toute façon avec cette équipe des Cavs. Si on est dès la mi-temps relégué à 12-15 points, c'est plié. On reste au contact, ne rien lâcher et puis espérer faire la différence sur la fin de match. Kevin Love en feu. 11 points déjà sur les 16 de son équipe. Voilà. Ça, c'est les 4 des finales NBA. Pas d'aide sur les drives. On va s'en contenter. Love encore lui. Oh, bien joué là. Oh, mais pourquoi Fallon ne va pas poser le dribble pour aller au cercle? Là. Ça fait partie des séquences arrachage de cheveux trop familières, malheureusement, dans ce mode My Player. Mais...
un peu gourmand. Là, je suis en train d'être complètement à l'ouest là, dans le replacement sur la transition. J'essaye vraiment de créer du danger sur du tir extérieur. Et après, on a des bons intervalles, on a des bonnes ouvertures pour sanctionner. Donc dans cette réalité virtuelle NBA 2K, Coach Fischer est toujours le coach des Knicks. C'est pas encore en hat-check. Nomination pour le moins probable là, le coach Hornacek pour aller reprendre les Knicks. Mais après tout, si Phil Jackson et Hornacek ont eu un bon petit feeling, pourquoi pas. Oh là là, la violence! La violence du compte de LeBron James sur le pauvre Melly Melo qui allait au contact provoquer la faute. Qui repart violenté. Et on n'aura jamais vu autant de big head de Josh Smith au Garden que durant ces playoffs. C'est vrai que c'est un peu le héros pour l'instant des Knicks. Autant il nous aura fait nous arracher les cheveux durant de nombreux matchs. Ah, ça serait bien qu'on ait un peu d'adresse et très beau rebond de Melo. Il va sanctionner en deuxième intention. On a besoin de rebond aussi, hein, bien entendu. À défaut d'adresse, on a besoin de rebond offensif pour aller trouver des paniers en deuxième chance. Bien joué. Des stops, du jeu rapide. De toute façon, souvenez-vous, avec ces Knicks, dès qu'on arrivait un petit peu à accélérer le tempo, à trouver du jeu en transition, on était dans des scénarios, dans des scénarios de match où on arrivait à s'imposer sans trop de difficultés. Et cette aide invisible, aide complètement invisible des Knicks sur des drives comme ça. En plus, c'était pas un drive spécialement rapide, ça me fait saigner des yeux. Queen. La passe arrive dans une forêt de bras des cavaliers et derrière le tir de Queen était improbable. Bien joué. Vous voyez tous ces petits mouvements sans ballon, ces drives à l'opposé, ça flash bien. C'est tout ce que les Cavs n'arrivent pas à faire justement en finale face aux Warriors. C'est créer du danger sans ballon. C'est absolument vital face aux meilleures défenses NBA, dont les Warriors font partie, bien entendu. Oh là 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 là, le jeu à deux Love. Le jeu à deux Love, James, nous fait du tort. Pas de panier intérieur, occupe la raquette. Je vais juste rappeler à mon coach que je suis meneur, hein, donc tenir la raquette, je vais essayer d'empêcher qu'il y ait des drives, mais après tenir la raquette, c'est peut-être pas tout à fait dans mes cordes. Allez, le petit flash au poste, l'écran à l'opposé, ça c'est du triangle, Barbossa, ficelle. Oh, dommage. Pour une fois qu'on avait une exécution un peu propre sur du jeu placé. Oh là là, les rebonds, messieurs. Ah, ils ont balancé quelque chose. Un petit floppy pour Barbossa. Bien fait. Voilà un peu d'adresse, merci. Ça serait bien qu'on finisse ce premier quart-temps sur de bonnes bases. Un stop ici, messieurs. Un stop. Barnes face à LBJ. LBJ, il est trop fort.
des petites séquences où on va poster. Ça aussi, on le voit pas assez côté Cavs durant ces finales NBA 2016. Je fais des parallèles avec les finales, si vous me le permettez. On voit les Cavs tenter de faire poster James, mais dès lors que la défense des Warriors conteste bien la tentative de post-up de James, et bien Cleveland abandonne. Alors qu'il faudrait tenter de reposter. Vous n'arrivez pas d'un côté, vous faites un transfert et vous repostez James de l'autre côté. Et il touche 2-3 fois le ballon dos au panier, c'est pas grave. Mais comme ça, vous faites travailler la défense des Warriors et derrière, vous essayez de mettre votre meilleur joueur dans des situations où il peut avoir un avantage sur la défense. James face à B. Face à B-Unit. Servir Kylo Quinn. Effectivement, le joueur d'attaque par excellence, O'Quinn. Que fait Barnes? Que fait Barnes? Il va marquer. Merci. C'était pas tout à fait lisible cette séquence. Isolation pour James. Face à Barnes. Barnes est un bon défenseur. Donc, super boulot de Barnes qui vient stopper cette iso. Qui est en de la Vedova, Varerao. Bonne défense sur Deli. Voilà le stop dont on avait besoin. Oh! I saw a man fly! Alors, pour rappel, notre joueur n'est pas censé dunker. On lui a attribué aucun dunk. Et bien là, faut croire qu'il était en Super Saiyan. Et il est parti dunker dans le trafic. Et interception de Barbossa. Et belle contre-attaque. Dommage, on était à deux doigts du 1 plus 1. Enfin, du 1 plus 1, du 2 plus 1 plutôt. Du 1 panier plus 1 lancé. Ils l'ont fâché, notre Blight National. Ils vont la voir, leur putain de guerre. Ah, il faut mettre les deux. Du coup, Canaan est rappelé, on va passer en deux. Ça serait peut-être bien de faire presse là. Attention à ne pas être battu sur la longue passe. Oh là là, c'est moi qui viens aider. Ça serait peut-être bien de faire presse, mais ça serait peut-être bien de ne pas laisser son joueur tout seul à 3 points. Canaan, il force. Oh, il le met au buzzer, l'insolent. L'insolent. Alors que je lui avais demandé deux fois la balle, il n'avait pas voulu me la faire, il a eu raison. C'était la punition pour avoir très très mal défendu sur la transition. C'était la punition de ne pas être servi pour la dernière possession et Canaan a bien fait. I'm putting all the pressure on me to be better and come through for my teammates. This is the position I put myself in. It's the position I put our team in, and as the leader and the guy that goes out there and make things happen, that's the way it's going to be. En tant que leader de mon équipe, je dois créer des choses. C'est comme ça que ça s'est décidé. Ça serait bien qu'on revienne en jeu. Voilà, au contact, c'est parfait. Ça, c'est parfait. On va lancer un petit système. Histoire de revenir, de faire des choses propres. Oula, ça y est, on est envoyé à l'opposé. Avance. Ah, mais non! Oh là 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 là, l'insolence. Mutant James. C'est un petit peu dommage sur des séquences comme ça en pick and fade.
faut pas avoir peur. Non, on va pas faire poster Barbossa face à James. Que fait Williams? Que fait Williams? Oh là là, le replacement complètement improbable. Barbossa en mode ok, bah laissez-moi tirer juste en dessous. Toujours ces problèmes de replacement dans le repli défensif. Julia va vous demander des choses complètement improbables, d'aller prendre le ballon et puis une seconde après d'aller prendre le mec à l'opposé dans le corner le long de la ligne de fond. Par contre, on va repasser en indif strict. Quart de terrain, défense qui est devenue... Oh là là, ma faute. C'est n'importe quoi. Défense qui est le standard NBA et qui est en train de devenir presque le passage obligé. Il y a une pauvreté tactique en ce moment en NBA dans le choix des défenses. Si vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez vu une tentative de trappe en NBA, faites-moi signe, parce que moi je n'en vois quasiment plus. Et très honnêtement, je fais un parallèle avec les finales NBA, mais au vu de la défense des Cavs qui est catastrophique sur le jeu placé, je serais coach loup, je tenterais de manière très très sérieuse de passer en zone, de passer en zone 2-3. Vous allez me dire, mais Black, t'es fou, en zone 2-3, ils vont se faire exploser à 3 points, mais pas du tout. La zone 2-3, au contraire, surtout les petits floppy, les petits zippers, toutes ces actions sans ballon des Warriors, vous n'êtes pas contraint à changer sur les écrans puisque vous ne défendez pas un joueur, vous défendez une zone du terrain. Donc les Cavs seraient beaucoup plus réactifs et il y aurait beaucoup moins de 3 points ouverts sur une zone que sur l'indif que propose actuellement cette équipe de Cleveland où ils sont toujours dans les choux sur les changements et sur les rotations d'F. Par contre, j'aimerais bien qu'on voit Carmelo Anthony, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu de monde là. C'est pas que je me sens un peu seul dans cette attaque, mais c'est que Williams envoie parpaing sur parpaing et que là on est un peu en panne d'attaque. On va essayer de jouer l'iso. Bonne défense de Irving. On a grillé cette possession. Une possession grillée. Ma faute totale. Et derrière, Cleveland déroule. Et alors, attendez, je vais regarder. Mais on est en problème de foot. Il y a des problématiques de foot. Pourquoi Anthony, qu'il a qu'une faute, il n'est pas sur le terrain. Il doit finir le match. Il doit finir la mi-temps. Smith aussi. Lopez aussi. On va demander un temps mort parce que c'est un peu n'importe quoi. Le coach veut que tu fasses vibrer les spectateurs. Contente-toi de t'amuser. Rotate over and make your presence felt. Quit being so soft. On est un peu trop soft, je suis assez d'accord. Barbossa en mode Jordan. Il m'avait pas vu, j'étais tout seul dans le corner. Je suis un peu boycotté là par mes coéquipiers. Faut dire que j'ai un peu envoyé du parpaing en première mi-temps, ce qui est jamais le meilleur moyen de devenir un aspirateur à ballon ou d'avoir la confiance des coéquipiers. Et le fameux back-to-back timeout, un problème sous NBA 2K depuis à peu près 3-4 ans. Quand vous demandez un temps mort, l'équipe remonte la balle et en demande un juste derrière, ce qui n'a aucun sens, qui n'arrive jamais en NBA. Mais ça arrive toujours dans NBA 2K depuis, je vous dis, ça fait au moins 3-4 ans que je le vois. Vous me direz, c'est rien, c'est un petit détail, mais ce qui gâche un peu le plaisir de jeu dans ce mode My Player, c'est l'accumulation de petits détails qui me paraissent pas insurmontables à gommer.
C'est ça qui est encore plus frustrant. C'est les back-to-back timeouts, c'est le bug des temps morts, c'est plein de petites choses. Oh là 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 là, l'IA fait n'importe quoi. L'IA fait n'importe quoi sur les passes de transfert toutes basiques, c'est intercepté. Globalement, on a des problèmes d'attaque. On a des problèmes d'attaque côté Knicks sur ce match. Et pourquoi Carmelo Anthony ne revient pas? C'est n'importe quoi. En plus, on doit être en tirer à volonté. Voilà, c'est ça. Donc quand vous avez Barbossa et Barnes qui sont en tirer à volonté, vous savez que vous allez vivre un mauvais moment. Voilà. On est 1 sur 4. On n'est pas encore Stephen Curry, vous l'aurez compris. Mais au moins, on sanctionne un petit peu cette défense qui fait le pari de nous laisser seul, bien entendu. On n'a pas cette réputation de tireur. Allez, ça serait bien qu'on finisse bien là. Il va nous rester 2-3 possessions. Laissez-moi couper. Laissez-moi couper. Laissez-moi ressortir à l'opposé. Un 2 points longs comme ça, c'est pas du tout le tir qu'on avait besoin. C'était plutôt tenter d'aller provoquer une faute qui nous aurait fait du bien. D'attaquer le cercle comme un James est en train de le faire à merveille là dans ce début de match, enfin dans cette première mi-temps. J'ai fait la passe trop tard. Il y avait un intervalle qui s'est créé entre Okun et Varerao, mais j'ai vu trop tard. Allez. Pour l'instant, on va considérer qu'on joue relativement mal. Et si Okun met son lancer, on va être à moins 6, ce qui est rien du tout. Il ne faut pas prendre ce panier. Par contre, là, c'est stop défensif obligatoire. Que James se décide à transférer à Irving. Oh là là, il n'y a rien, monsieur l'arbitre. Il n'y a absolument rien. À quand la modélisation des vrais arbitres? À quand Ed Malloy et un Manny McCutcheon dans le jeu? Dommage. Bon, on est à moins 8 du coup, grâce à un phantom call sur Barnes en toute fin de première mi-temps. 54 points encaissés pour une équipe comme les Cavs qui sont la meilleure attaque du jeu, c'est bien. Par contre, seulement 46 marqués, c'est moins bien. On doit mieux se battre. Allez les Knicks, allez les Knackies, les New York Knackies. Retour au vestiaire, on a la tête basse côté Knicks. Honnêtement, c'est ce que je vous disais, hein. On fait vraiment un match d'une relative grande pauvreté en attaque et on est à moins 8, c'est rien du tout. Dans mon souvenir, les pom-pom girls des Knicks étaient un petit peu plus mignonnes. Quel misogyne ce Blight. Et puis sachant qu'on a joué quasiment toute la fin de mi-temps, sans Anthony cloué sur le banc pour des raisons obscures. Ouh là là. Ouh là là.
Mozgov était dans la place. J'essaie d'être agressif vers le cercle, il faut qu'on tente des lancers nous aussi. Un petit backdoor pour Melo. Lopez en opportuniste. En mode Jacques Dutronc, l'opportuniste. Il faut aider. Voilà, mais il faut... Oh, voilà, c'est toute la problématique de l'aide. C'est que dès lors que vous avez une aide, évidemment, il n'y a plus personne pour bloquer au rebond. Que fait Melo? Que fait Melo? Si vous avez compris, faites-moi signe. Love en slow motion. Ok, on n'est peut-être pas au top sur ce match, mais on va peut-être pas non plus laisser faire prendre des lay-up en marchant. Allez. Allez, à faire l'eau. Ça a changé. Ça, c'est une ISO pour toi, Carmelito. À peu près 25 secondes dans la raquette. Il y a aussi une forme d'insolence dans la précision des passes de l'IA. Pas de réussite. C'était des tirs bien défendus, vous me direz, mais... On a connu un Melo en capacité de sanctionner sur ses drives. Interception. Allez, allez, Aaron, va au bout. Je te couvre. Je te couvre. Si jamais t'as James qui tente un contre par l'arrière dont il a le secret. Séquence en Horns. Oh là là. Oh là 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 là. Attendez, je veux comprendre qui a fait n'importe quoi. Oh, j'imagine qu'il y a une consigne défensive côté Knicks d'aller faire prise à deux sur Kevin Love, mais on fait pas prise à deux comme ça. Ça fait partie aussi. Ça fait partie aussi de l'application à la lettre de consigne qui parfois relève du contresens dans le jeu. Bien que maintenant on puisse arracher quelques stops. Si Irving veut me poster, qu'il vienne me poster, mais évidemment il l'a joué en finesse. Oulala, Melo il fait peur. Oui! Bien vu. Bon, on va aller retourner sur le banc. Oh là là, et on revient et on est à moins 16. Pas sympa. Pas sympa ce que nous a fait l'IA sur ce match. Pas sympa ce qu'a fait l'IA. Ouais.
c'est assez consternant tous ces coups de sifflet improbables sur James. Et d'ailleurs, pourquoi on a été sur le banc sur l'intégralité du troisième carton? C'est une rotation qui est complètement illogique. On va dire, en tant que titulaire, qu'on aille souffler pendant le second carton, c'est tout à fait logique. Mais généralement, on joue troisième carton, aller jusqu'à 3, 4 minutes, voire 2 minutes de la fin si on veut une rotation étendue. Puis on revient à 8 minutes dans le quatrième. Et là, on a été soufflé tout le troisième. Oh là là. C'est pas comme si on avait non plus fait une performance complètement pathétique. Alors, j'allais dire, mais pourquoi il y a des portraits de Kyrie Irving dans les gradins des Knicks? Mais en fait, non, c'était portrait de Blight. J'avais pas reconnu. Je ne m'étais pas reconnu, dites donc. Le comeback là va être plus que compliqué, à moins qu'on ait un Melo qui prenne feu et que les Cavs enchaînent les mauvaises décisions, ça va être compliqué. Oh, on aurait pu jaillir pour l'intercepter. Oh, bien joué. Et c'est pas à moi de venir aider, je suis côté fort, l'aide elle doit venir de l'autre côté. Et en plus, on est en protéger la raquette et il n'y a aucune aide. Ça n'a aucun sens. Alors, on est en joué physique en défense. Donc, évidemment, il y a un marquage strict. Mais à l'opposé, on flotte. Surtout si on est en protection de la raquette. C'est la même séquence que tout à l'heure. Ou les petites séquences en flex. Oh là là, et toujours on est dominé au rebond. Petite séquence en flex où après avoir posé un écran, vous bénéficiez d'un écran. C'est extrêmement difficile à défendre. Et là, vous allez pouvoir jouer la marche funèbre au Garden. Parti pour un quatrième carton de garbage time. Pas tout à fait ce que j'avais en tête. Bon allez, attendez. Si on revient, allez, très très rapidement sous l'idée au contact à 10 points, on va dire en quelques minutes, on peut tenter quelque chose. Voilà, par exemple comme ça. Ça c'est pas mal. Oh là là. On n'aura rien mis au lancer sur ce match. On n'aura rien mis au lancer sur ce match. C'est pas possible, Melo qui fait 0 sur 2. Ça fait partie des matchs bêtisiers, on en a vécu des dizaines ensemble, où l'IA a décidé que vous ne pouvez pas gagner. Et rien ne se passe comme prévu. Bien joué. Où est l'aide de l'aide côté Nyx? Là, pour le coup, il y avait eu une bonne aide, mais pas d'aide de l'aide. Oh, je devais aller dans le corner, j'ai oublié. En deuxième mi-temps, 64% quasiment de réussite pour les Cavs. Correspond plus ou moins au trou d'air qu'auront subi les Knicks pendant que Blight était sur le banc. Pour une fois, quand Blight va sur le banc, c'est pas la joie côté Knicks. Il faut poster ta Irving sur toi. À quand les commandes vocales pour une NBA 2K? Josh Smith en confiance.
énormément de difficultés à défendre le pick and roll. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle est la consigne de défense du pick and roll, mais j'ai l'impression qu'on est dans un espèce de semblant de high age, donc où on va sortir très haut sur le porteur de balle, mais il faudrait qu'à l'opposé, il y ait une pré-rotation, et il n'y en a pas. On sort très haut sur le pick and roll. Si, il y a là, il y a une pré-rotation de Josh Smith, elle est visible. Mais effectivement, elle est, dès lors que vous laissez le poseur de l'écran, pardon, ici le pivot, vous passez devant et être quasiment sous le cercle, si vous faites 10 cm de moins comme c'est le cas de Josh Smith, c'est indéfendable. Insoluble casse-tête. C'est gêné. J'ai voulu couper au même moment que Melly Melo. Essaye d'envoyer de la transition un petit peu sur des rebonds défensifs, sur des stops. On est à moins 15. Oh, le sauvetage dans les mains de Mozgov! Oh là là! Oh là 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 là! Quand des choses comme ça vous arrivent, vous savez que vous pouvez pas gagner. Un peu trop shooté de loin dans ce match. C'était peut-être le pari défensif des Cavs et on aura mordu dedans. Et où est l'aide? Où est l'aide? Où est l'aide? Les gars, il faut anticiper à l'opposé. Arrêtez avec votre jouet physique en défense, il faut aider. Insoluble. La façon dont le pick and roll est défendu par les Knicks, c'est insoluble. Systématiquement, les Cavs, ils vont contourner. Regardez, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Regardez Lopez. Sur qui défend-il? Il défend sur Mozgov. Donc il devrait être là. Là où il y a le curseur, là. Ici, dans l'axe. Il devrait être entre le ballon et le panier. Pourquoi défend-il là-bas? Pourquoi défend-il là-bas? Ici? Alors que son joueur, il est là. Il devrait être ici, en plein milieu de la raquette. Et ensuite, il n'a qu'à regarder Love, qui vient tranquillement déposer. Merci. Merci, Brooke. Hallucinant. Hallucinant. Allez, le petit écran descendant pour moi, il est même pas bien exécuté. Je vais pas pouvoir couper. Je vais pas pouvoir couper, il y avait un petit peu trop de monde.
Voilà, voilà, on va être parti pour du guard Beilstein. Non, même pas. La punition du coach, allez, on te sort pour la fin de match, c'est plié. Non, finalement, on te remet. On te remet pour te supplicier. Mozgov en mode Jordan. Allez, on s'en fout, c'est showtime. On est à moins 20, on est à moins 20, on est dans le showtime. Allez, vas-y, face à Irving. Pourquoi pas? Gamel, oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Je crois que renouveler l'exploit du match 1 va être très compliqué, à savoir s'imposer. Finalement, Irving ne fait pas un si bon match que ça. Laissez-moi aller jaillir dans le corner, voilà. On se gêne. Il y a des bonnes séquences, mais c'est des séquences qui ne valent plus rien, puisque ça ne nous permettra plus de revenir dans le match. Oh, dommage. J'aime pas rater des coéquipiers qui sont tout seuls comme ça. C'est indigne d'un meneur de niveau titulaire NBA. Et finalement, vous voyez, on va maintenir cet écart de 16 points. Hein. L'écart qui nous a été plus ou moins infligé par l'IA pendant qu'on était en train de boire du Gatorade tranquillement sur le banc. Débordé sur le premier dribble, c'est hallucinant. Petit backdoor, pas très bien exécuté par Afalo, qui veut quand même y aller. Compliqué. Il fallait y aller sur le premier pas directement. Après que la défense se soit replacée. On aura manqué aussi de stop défensif pour accélérer le tempo derrière et passer des paniers en transition. Pourquoi Fallo change? Il n'y avait absolument pas lieu de changer. Et surtout pourquoi il ne prévient pas plus tôt. Bien joué le petit trailer pour Lopez qui dévisse. Allez, on va officiellement être dans le mop-up time. Rappeler les balayeurs. Préparer déjà la salle pour le match 4. Qui sera un must-win obligatoirement. Sans quoi mener 3-1. Ça sera plié pour les Knicks. Rien n'est encore joué, hein. En égalisant à 2-2. On a encore toutes nos chances. On peut s'imposer dans la salle des Cleveland Cavaliers. On l'a déjà fait. Voilà, le petit attentat qui va permettre à tous les titulaires, ou en tout cas à tous les joueurs présents sur le terrain, d'aller regagner le banc. Sauf peut-être votre Blight National, parce que j'ai pas vu Canaan. Voilà. Ça, c'est pour nous supplicier davantage. Mais c'est pas maintenant qu'on avait besoin de jouer, coach. C'était dans le troisième quart-temps. Quand vous nous avez fait sortir sans raison. Faut de Deli. Le size up 2. Le size 3 up 2. Je sais plus exactement ce à quoi ça correspond. Oh, bien joué. Ça fait trembler le garden.
Allez, jusqu'au bout, on la joue, nous. Jusqu'au bout, on la joue, on est comme ça. On lâche rien, même s'il n'y a pas de goal average en NBA. C'est pour les stats. Oh, et on va dévisser le lancer. Victoire donc de Cleveland dans le match 3. Cleveland qui reprend donc l'avantage du terrain. 108 à 95. Problématique d'attaque, problématique de défense. Bref, tableau plutôt noir pour les Knicks à l'issue de ce match 3. On fait un match correct. Je crois qu'on perd pas de ballon. Ça par contre c'est plutôt une perte intéressante. On va regarder les stats, attendez. J'ai une petite idée de quand est-ce que ça s'est joué. Kevin Love, évidemment. Il était en feu déjà dans le début de match, ça s'est confirmé. Alors, après tout, c'est toutes ces cinématiques, ces screens, ces replays, c'est tout ce que vous voulez. On est à 45%, 6 sur 19 à 3 points, mais 13 sur 21 au lancer. Regardez, c'est pas permis, c'est interdit de faire ça. On prend 54 points dans la raquette et on était en protection de la raquette en défense. Globalement, après, les bancs contribuent plus ou moins de la même façon. On est dominé au rebond offensif. On a pris plein de points en deuxième intention. Par contre, on a volé beaucoup plus de ballons côté Knicks. Premier quart-temps, on s'incline de 1 point. Deuxième quart-temps, là, on avait pris déjà un petit écart. Troisième quart-temps, on prend 10 pions. Compliqué. Compliqué d'espérer quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. On finit avec 19 points, 8 rebonds, 6 passes à 7 sur 13. Avec un plus-minus, vous voyez, positif. Ça veut dire que quand Blight était sur le terrain, eh bien, on a mis plus de points qu'on en a encaissé. Par contre, Anthony, 5 ballons perdus. Lui qui nous avait habitués à des performances de mutants, eh bien, il n'était pas au rendez-vous. Josh Smith à 3 sur 9. Compliqué. Williams à 0 sur 5. Compliqué. Côté Cavs, Kevin Love fait un super match. J.R. Smith aussi. LeBron James aussi. Kyrie Irving, finalement, fait quand même une performance ultra complète à 18,7 rebonds, 11 passes. Mais à 6 sur 15. Par contre, avec un plus-minus de 20. Donc évidemment, lui aussi s'est bien éclaté quand il était sur le terrain. Je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour le match 4. Match qui sera ultra décisif, obligation de s'imposer pour les Knicks. Sinon, eh bien les Bahamas sont déjà pratiquement en ligne de mire. Je ne réserve pas encore mon billet. Éternel optimisme oblige. Rendez-vous très bientôt. Bon match à tous.